De temps en temps, si quelqu'un il m'invite en discothèque ou je sais pas quoi, j'y vais. Tu vas en discothèque, toi? Ouais, non, mais tu vois, en ville, faire je sais pas quoi. Ouais. Mais c'est parce que si on connaît pas la saloperie que c'est la ville, eh ben, on apprécie pas autant la forêt. Mais mon accent vaudois à mort, mais parce qu'en fait, quand tu fais une théorie générale sur la vie, mais pas un truc philosophique, un truc un peu philosophique, mais un peu sociétal, t'as l'accent vaudois qui ressort. Ouais, les gars, tu vois, quand ils vont au marché, tu vois, quand ils commencent à... L'accent vaudois, il est vraiment fait pour ces théories, comme ça. C'est un truc un peu sociétal et un peu philosophique. Non, mais c'est pas que t'as besoin de la ville pour trouver la forêt belle. Mais c'est que, vu que dans notre société, il y a tout le temps tout qui veut te faire ramener à la ville à la ville et aux discothèques et aux centres commerciaux, bah, il faut de temps en temps des piqûres de rappel. Alors peut-être c'est aussi un moyen que j'ai trouvé pour me dire que quand je dois aller en ville, ça a une utilité, tu vois. Au lieu de me dire que c'est juste de la merde totale. J'y vais, puis je trouve que c'est de la chiasse, et puis je me dis, ah bon, bah ça m'a fait une piqûre de rappel. J'y retournerai plus pendant 10 ans. Jusqu'à ce que quelqu'un me dise de nouveau qu'il faut aller en ville. Ouais, ouais, mais je sais pas s'il faut voir la ville comme une piqûre de rappel. Moi, au lieu de dénigrer la ville, je préfère valoriser la... La campagne. La campagne. Ah, plutôt me dire que c'est un sanctuaire où on vit et qu'on a... Est-ce que tu m'entends souvent dire ce que j'ai dit, là? Que la ville, c'est de la merde. Ah oui, c'est vrai que tu m'entends souvent dire. Ouais, non, mais je valorise plutôt la campagne. Hein. Enfin, oui, je valorise. Puis même, attends, et moi, c'est même pas la campagne. Hein. Moi, c'est la nature sauvage que j'aime. Alors, la campagne, j'aime aussi bien. Mais regarde, en plus, en ville, tu peux même pas rouler à 20 km. Même pas, on est à 10, là. Non, on est entre 10 et 30. En 17. Ah oui, on est en 17. Non, parce que là-bas, c'est les tours. Ouais, c'est, les coups, c'est le tour minute. Ouais, mais c'est toi, t'as regardé là, ça m'a fait regarder là après. Parce que faut aussi se dire que la campagne, c'est aussi un désert. Hein. Là, c'est le désert hein, où on est, regarde. Ah, c'est super joli. Ça, par contre, ça sert à rien, t'as meilleur temps de la tenir. Hein. Bah non. Je peux me relaxer comme ça. Ah. Oui, on nous entend un peu, mais il y a un manquant pas possible. Puis ça sent la charrette. Ça sent la sulfateuse. Là. Mais ferme ta fenêtre, ou c'est ça sent la fromagerie. Non. Non, mais arrête, maintenant ça pue dedans, puis en plus on peut s'aérer. Non, mais c'est sûr qu'il faut pas être dans l'existence, dans la négation de l'inverse, tu vois. Faut être dans l'affirmation de soi. Non, ça c'est sûr. Ça c'est certain. T'as dû aller là. Bah mon grand-père il avait une forêt là, cette forêt là c'était à mon grand-père je crois. C'était la Saint-Gireur ou je sais pas quoi, comment ils appelaient ça. La Saint-Ginette. Non mais t'as pas besoin de filmer, on s'en rend. D'ailleurs on s'en demande de beaucoup de choses aujourd'hui. Bah c'est vrai mais voilà. Ce qui est bien avec toi c'est que j'ai pas besoin de trop parler. Je parle un petit coup et ça te lance sur un sujet pendant 10 minutes. Bah oui mais c'est ça qui est bien. Mais l'inverse est valide aussi. Enfin, je sais pas ce que c'est l'inverse, mais. Bah, que toi tu parles peu et que moi ça me lance sur un sujet 10 minutes. Ouais, non, plutôt que ça, c'est bien parce que. Du coup, avec toi j'arrive à parler pendant 10 minutes alors que j'avais rien à dire. Tu vois. Enfin, avec toi, avec n'importe qui en fait. Sauf avec l'archer. Bonjour madame. Pas à droite. Ouais, c'est le rang que je voulais aller. Puis là, ils vont construire une éolienne. Ouais, enfin attends, là, il y a 3 ans qu'il y a les pylônes. Là, il y a un pylône pour les éoliennes. Bah attends, je vais filmer. C'est un gabarit. Ouais, hein. C'est des tests pour les éoliennes. Je sais pas où ça en est, cette histoire. Voilà. Attends, mais je vais le filmer un peu. C'est vrai qu'on a jamais vu cette histoire. C'est gigantesque, ce truc. On voit pas le bout. Mais je sais pas s'ils vont finir par mettre des éoliennes, hein. Je sais pas. Ouais. Je vais voir ce que ça donne. Ah, j'ai aucune idée. Par contre, là, bon, est-ce qu'on mettra ça dans la vidéo? Surtout que j'ai calé comme un gros con. Toujours mettre les feux de détresse. C'est joyeux. Ouais. Bah, attends, on roule à 10 km/h sur un chemin où il n'y a jamais personne. Je crois que je vais même plus vite à pied. Faut quand même qu'on s'indique un peu. C'est toi qui m'influence quand même beaucoup.
ta tête là ou pas? Ouais, ouais, là on voit la tronche des gens. On voit toi qui essaie de guigner aussi. Ah ouais. Eh, hey, c'est pas les canards. Attends, y'en a un, j'ai cru voir qu'il avait un, il avait le cul non, rouge. Ah non, c'est ouais. Pas ça. C'est des buses. C'est des gros oiseaux. Attends, mais ils s'attaquent. Il y a la buse. Oui, il y a les. Oui, la... mais les buses et le corbeau, ils s'attaquent souvent. Hein. Vas-y, passe la, la. Elle est où l'autre caméra? Ouais, mais le temps que tu la sortes, ça sera trop tard. Ouais, bah tu dis ça et ils vont se tirer une balle dans la tête. Nous, on aura des preuves. Ah bah c'est trop tard, ouais, le temps que tu la sortes. Évidemment, le temps que tu la sors, c'est trop tard. Là, il l'attaque. Il... Ah. Ah non, mais c'est trop... C'est, de... c'est déjà trop tard. Non, mais on a vu plein de combats d'oiseaux aujourd'hui. Puis on les a tous loupés parce que c'était trop tard. Là, il l'attaque. Mais c'est trop tard. Non, 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 non. Non, mais il l'attaque pas, là, ils sont les deux au sol. Arrête! Laisse, laisse la nature se produire. Super. Eh, mais c'est le corbeau qui attaque la, oui, mais je t'ai déjà dit, hein, la buse. Mais il chouine un peu à l'attaquer là. Bah, c'est une carcasse. Une carcasse? Ouais, il y a un truc à bouffer puis il s'y attaque. On va voir l'arbre blanc. On va passer juste à côté de toute façon. On pourra de nouveau faire une vidéo qui dure 5h30. Ah oui, mais longtemps que ça n'a pas fait des longues. Ouais. Get. Ah, ils vont nous passer devant. Ah. Ah, une petite attaque là. Ah là, il l'a attaqué, t'as vu? Ouais, il lui pique le cul. Il lui a piqué le cul, le salopard. Film, film, c'est la guerre, regarde. Regarde, ils... Mais tourne pas, si tu veux. Mais passe la, passe la caméra. Ah non, ils sont trop loin. Là, ils attaquent. Ah non. Ah, mais on a tout loupé. Ouais, mais nous, on est au pied de l'arbre que je voulais voir. Il ouais. Est bien blanc. Ouais. Il est joli. On dirait l'arbre du monde d'or. Même si on voit que dalle et que tu filmes n'importe comment, c'est marrant. Parce qu'on sent qu'il y a Valentin en train de paniquer d'essayer de filmer les oiseaux. Puis moi en train de poursuivre l'histoire là. Mais il s'attaquait vraiment, hein. Ouais, il le bouffait. C'est limite si on n'a pas vu une plume qui tombait. Il lui piquait le cul. Mais j'ai filmé, mais t'avais zoomé à fond la fois d'avant. Alors on voit un peu le truc vert, après on voit le sachet. Déjà quand c'est tout. Ah, c'est une bête ou c'est une merde ça? C'est une merde. Ah. On l'a filmé, ça va être sympa. Tu veux qu'on s'arrête de filmer la merde? On peut, hein. Et quand on vient, il y a la même plante verte. Il y a une serrure. Ah ouais. Il y a une serrure dans le feu. C'était prévu. Ah mais merde. Ah. Ah. C'est grillé. C'est grillé. Ah non. Ma chaussette grillée. Il a cramé ses chaussettes. La chaussette. Ouais mais au moins c'est sec. C'est sec, ça va croustiller quand tu vas mettre ton pied dedans, ça va faire. Ça va tourner en tout cas. Voilà ça va. Par contre elle risque d'être un peu tachée. Ouais. En général une chaussette c'est dans une chaussure normalement. Ils vont croire qu'on cuisine un truc, genre un poisson. Il est bon mon poisson, il est bon.